Désolé, 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 désolé. Je ne savais pas. Je sais que je ne devais pas parler pour le combat. Cet homme est fort. Oui. Patron, oui. Ce gars est un lion. Je le vois. Merveilleux. Assez, assez. Arrête. Patron. Qu'est-ce que c'est? Noix de coco. Ce gars à Cuba, il a fini avec son adversaire seulement. Oui. Un coup. Et le sang giclé. Combien? 29 plus 9. Et l'homme que j'ai battu pissait du sang. Du cœur. D'accord, maintenant, regardez. Regardez bien. Juste une démonstration, une seule démonstration. Laissez-moi. Non, il faut que vous voyez ça. Laissez-nous faire. C'est bon. Ce n'est pas nécessaire. Vous montrer. D'accord. D'accord. Vous êtes bon. Très bien. Merci, monsieur. Mais chef, je vais le spécher. Oh non, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas, relax. Merci beaucoup. Vous voyez que vous êtes sauvé. Vous êtes bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, dépose. Comment vas-tu, coach? Bien. Champion, comment tu vas? Yes, ça va. Coach Théophile, voici le coach Ikem du Nigeria. Oui, j'entraîne les boxeurs. Lui, vitesse lumière, son boxeur. Champion, voici le coach. Et le boxeur, contre qui tu vas te défendre? Attends. D'où est-ce qu'il vient? Il est descendu hier de Cuba. C'est contre lui qu'on veut combattre? Vous étiez supposé nous faire voir sa photo d'abord, non? Pourquoi avez-vous besoin? Non, ce qu'il a dit, il a dit. Vous devez nous la montrer d'abord, je veux dire. Mais on n'est pas, hein? Pour que je puisse le voir et m'arranger pour me préparer en conséquence. On est prêt, hein? On est prêt. Mais je vais le finir. Oui, on est prêt. Le battre, bien sûr. Le vaincre. Bien sûr, on est prêt. C'est ça. Exactement ça, ça va. On se serre la main, coach. Comment est-ce que vous vous portez? Bien, merci. Comment vous allez? Ok, c'est une faveur. Ça va? Ouh, aïe, ça fait mal. Ouh, dis donc. Ça met là, ça fait vraiment mal. Serre-lui les mains. Hein? Vas-y. Spitfire. C'est son nom, hein? C'est la chaleur. Spitfire, hein? C'est Spitfire. Donnez-moi le document, s'il vous plaît. Tenez. Alors, comment vous sentez-vous aujourd'hui? Docteur. Ça ne va pas. Je sens que tout mon corps est compressé. Ne vous inquiétez pas, hein? Ça va passer. D'accord. Ça va passer. Ne D'accord. vous inquiétez pas. Bonsoir, docteur. Ah, et bonsoir, coach. Bon arrivée. Comment se porte-t-il? Oui, il va mieux. Il va mieux maintenant. Ne vous inquiétez c'est bien. Pas, ça ira. C'est bien, il doit aller mieux. S'il vous plaît, docteur, vous êtes sûr que ça ira mieux? Ne vous inquiétez pas, ça ira. D'accord. Hein? Mais Cablo. Quoi encore? Alors c'est contre lui que je vais. Dieu te punisse. Que je te le dise. C'est lui que tu as vu pour tomber comme ça? Ton père, ta mère, ton grand-père, ta grand-mère, tes arrière-parents et ceux qui restent à venir là. Dieu les punisse. Chango va te attends, tuer. Est-ce que tu avais besoin de tomber comme ça? Écoute. Et tu as vu de quoi il parle? Tais-toi. De quoi il parle même? Tu veux plus te battre? Tu ne veux j'ai plus mal, gagner? Mal. Il faut leur demander de m'amener à l'hôpital d'Abuja. Je ne veux pas rester ici. Malade. Aïe. Qu'est-ce qu'il raconte même celui-là? Qu'est-ce qu'il dit? Chut.
Bonjour, patron. Bonsoir. Assieds-toi. Merci, patron. Allez-y. Patron, je suis venu vous dire quelque chose d'important aujourd'hui. Ils ont annulé le match. Et ils ont fixé un ultimatum pour nous. Quand ? Le 15 du mois prochain. Le 15 du mois prochain. Alors, peut-on trouver un autre boxeur ? Oui, chef, je ne vois pas la moindre possibilité. Le combat se déroule toujours entre Nkuruma et Mekablo. Tu sais, j'ai investi beaucoup d'argent pour faire venir ces hommes du Cuba. Donc il faut que je récupère mon argent. Je le sais, patron. Tu es en train de me dire que Mekablo peut toujours se battre. Mais puisqu'il l'a promis, laissons-le pouvoir. Tu sais, j'ai besoin d'un boxeur ne veut pas dire que j'ai besoin de tout risquer. Qu'est-ce qui m'assure que Mekablo va toujours boxer? Ben, patron, il l'a fait. Il a fait une promesse. Qu'il va nous donner le meilleur de lui-même. C'est pourquoi... D'accord. C'est bon. C'est tout? Pour le moment, patron. D'accord. C'est bon. D'accord. Je vais demander à l'infirmière de préparer votre facture maintenant que vous allez mieux. Vous partirez aujourd'hui. Mmh. Vous allez mieux maintenant. Docteur. Vous partirez aujourd'hui. Alors. Non, docteur. Je ne vais pas bien. Mon ami, le docteur a dit que tu partiras aujourd'hui. Tu as entendu? Docteur n'est pas mon cœur à moi. Je sais ce que je vous dis. Quand je vous dis que je ne vais pas bien. Restez où? Restez où? Vous allez mieux! Je sais que tu t'entends parler. Vous allez mieux. D'accord. Docteur. Uh-huh. Si vous pouvez nous excuser un instant pour qu'on puisse parler. Infirmière. Oui, docteur. S'il vous plaît, excusez-nous. D'accord, docteur. Alors, docteur, tenez. Ce n'est pas la peine. Gardez ça pour vous. Docteur, je voudrais rester encore une semaine ici. Ah ah. À cause de quoi? Écoutez, c'est bon pour vous. Ça vaut plus d'argent pour vous-même. Qu'est-ce que tu dis? Qui paie l'argent? De qui parles-tu? Hein? Le monsieur dit que tu vas bien, tu dis que tu ne vas pas bien. Vous allez mieux. Hein? Mais c'est moi qui ai ce corps, je sais que ça ne va pas bien. Je dis que vous allez mieux. Je vous le dis en tant que docteur, vous allez mieux. Il a dit que tu vas bien. Écoutez, docteur. Docteur, quelqu'un en veut à ma vie. C'est faux, docteur. Ne l'écoutez pas, c'est moi qui vous parle, hein? Ouais. Envoyez la facture, je vais me charger la paye. D'accord. Docteur, il faut que vous me croyez. Qu'est-ce qu'il nous raconte là? Il y a un homme là-bas dehors qui. Merci beaucoup. Merci, hein. S'il vous plaît. Docteur, s'il vous plaît, d'accord. Docteur, je veux rester ici. Je veux rester ici. Tu veux rester où? Tu veux? Je veux rester ici. Tu veux rester où? Mais Cablo, toi, lève-toi. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Je t'ai demandé de cesser de manger du riz chaque jour et tu refuses. Maintenant, regarde-toi. Bébé éléphant. Tu ne sais même pas comment boxer. Laisse-moi t'enseigner comment on fait. Fais comme ça. Fais comme ça. Qu'est-ce qui te fait rire? Papa, tu ne sais même pas faire de la boxe. Assieds-toi là. Ce n'est pas comme ça qu'on boxe. Laisse-moi te montrer. Je dis assieds-toi là. Assieds-toi. Faites-le entrer. Ah. Ah. Ma fille, je peux voir que tu es en train d'apprendre à bosser. Tonton, bonne arrivée. Ah, mon fils. Bonne arrivée. Merci. Bien, bien. Patron, comment vous allez? Ah, je suis heureux.
Nanso, oui, papa. Va lui chercher du cola. Je ne veux pas de cola. Quoi? Non. Mais tonton, laisse-moi, vous savez quelque chose. S'il te plaît, je t'en prie, ne te dérange pas. Tu ne veux vraiment rien prendre? Oui, oui, oui. Très bien. Patron, patron. Je suis désolée de ne pas avoir pu assister au séminaire. Oui, j'ai appris que tu n'y étais pas. J'ai appris que tu as délivré de bons papiers. Si je n'ai pas pu y assister, c'est à cause de la promotion. Oui, je sais que c'est à cause de ça. Et j'ai cru comprendre que quelqu'un est mort au coup de... Non, personne n'est mort. Je vois. Il est actuellement à l'hôpital. Personne n'est d'accord, mort. D'accord, je vois. Bien. Le combat a été annulé. C'est reporté à quand? Le 15 du mois prochain. Je vois le 15. Oui, hein, le 15. Je serai là. Tu sais que j'espère beaucoup d'argent. Oui, je sais que tu en auras. Tu sais que j'ai besoin de récupérer tout cet argent. Et il croit que j'y arriverai. Oui. Oui. Certainement. Oui. Comment se porte ta famille? Oh, tout le monde va bien. Oh, mais attendez. Il a perdu. Tu n'as pas joué. Il a perdu. Fais ton jeu. Laissez-le. Rejoue. Tu peux encore gagner. Mets ton argent. Donne ton argent. Rejoue. Allez, mise plus. Mise, non. Allez, vas-y. Regarde très bien. Regarde très bien. Ouvre bien tes yeux. Attendez. Vous êtes en état d'arrestation. Attendez, non. Vous êtes en état d'arrestation. Vous irez vous expliquer au commissaire. Attendez, non. Attendez, non. Les bandes de voleurs. Pas d'explication ici. Ferme ta bouche sur moi. Quoi? Avance. Combien tu es avec toi? Combien tu es avec toi? Avance, j'ai dit. Hein? Attendez. Mikablo. Depuis que tu es venu ici, tu ne dis rien. Je ne sais pas. Tu penses à quoi? Nous avons gagné notre contrat. Tu ne penses à rien depuis tout ce temps. Dieu te punisse. Je dis Dieu te punisse bien bien. Tu n'as pas fini le premier et tu me demandes déjà un autre contrat. On a un autre contrat. En plus, je te parle. Bouge pour que je te vois bien. Qui se lit? Comment? N'importe quoi. Qui peut faire plus semblant que toi? Attends, je ne comprends pas. Le Cubain est reparti. Le nez là nous attend. Hein? Écoute. Le nez a dit qu'on va lui redonner l'argent qu'il nous a donné. Tu vois, ce gars-là, il est court de taille. Et de toute façon, il est court de taille. S'il saute, il nous attrape, on est mort. Il va dire qu'on va lui remettre son argent. Hein? Mais l'argent, là, c'est déjà fini, oh. Tiens. Et toi, tu dis que tu veux rester encore dans cet hôpital à boire du thé, à manger du pain, que Dieu te punisse bien bien. Tu m'as entendu? Moi, là, écoute, moi, je m'enfuis. Hein. Peut-être que nous devons aller dans cette prison et y rester. Aller où? Cet hôpital-là, on le doit où? Hein? Tu sais qu'on le doit, cet hôpital? La fois passée, je disais que j'allais payer la facture, là. C'est faux! Si t'attrapes, tu vas payer toi-même, il faut te tuer. Moi, je veux m'enfuir, oh. Est-ce que tu veux venir avec moi? D'accord. Hein? Moi, je prends le sac. D'accord. Ils vont pas me suspecter, ils vont penser que je t'apporte à manger. Oui. Mais si c'est toi, ils vont penser que tu veux fuir. Oui. D'accord. Tu oublies ça. Moi, je porte le pain. Ah! Mais ça, tu es fou. Ça, c'est une preuve qu'on n'est pas encore parti. Hein? Laisse ça ici. D'accord. Et quand ils vont venir, ils vont voir ça ici. Ils vont se dire qu'on n'est pas encore parti. D'accord. Tu m'as compris? D'accord. Bon, maintenant, tu restes ici. Hein? Tu attends. Moi, je vais sortir. Je regarde à gauche, à droite et je siffle. Là, tu sauras qu'il y a Goslo. Tu dois pas venir. Tu vas te coucher. Reste là tranquille. Mais si tu entends... Tout va bien. D'accord. D'accord. Très bien. Chef, je n'ai jamais fait l'expérience de ça avant. Ils sont partis sans me le dire. Docteur, mais de quoi parlez-vous? Je veux dire qu'ils se sont enfuis. Quoi? Ils ont fait quoi? Chef, ils se sont enfuis. Ils se sont enfuis? Ils se sont... Régisseur! Oh, manager! Régisseur!
Vous deux, vous allez sortir et me ramener ces gars tout de suite. Je perds mon argent là. Oh, où vous les avez aidés à me rouler? Oh, doucement patron. Docteur, mais où sont ces gars là, hein? Je vous ai dit qu'ils se sont échappés. Ils n'ont pas payé ma facture. Manager, où sont-ils? Régisseur, où sont-ils? Manager et régisseur, où sont ces boxeurs? Chef. Oh, merde! Mais c'est pas possible. Vous ne comprenez pas que... Tu quoi? Je vous parle de mon argent, vous parlez de votre argent. De quel argent avez-vous besoin? Chef, souvenez-vous, j'ai fait tout ce que j'ai fait à cause de vous, chef. Ferme-la! Qu'est-ce que tu as fait? Manager, va et ramène-moi mon argent. Tu as compris? Oui, monsieur. Ça t'intéresse? J'ai peur. Viens que je te parle, n'aie pas peur. Ou bien quand tu sors, c'est comme ça que tu te débrouilles avec les gens qui te créent des problèmes. Hey. Viens, allons-y. Allô où? Allons-y. Attends. Tu as voilà. Tu prends? Hein? Si tu oses me demander un coup ça là, je vais te blesser. Oh. Allez, viens avec moi, viens. Attends. Comment tu t'appelles? C'est moi qu'on appelle Ijewa. Coach. Tu entends, coach? Alors, sache-le. Allons-y. Bonsoir monsieur, puis-je vous aider? J'espère que c'est l'avenue James Okocha. Oui, c'est ça. S'il vous plaît, je suis à la recherche du numéro 56. 56? Oui. Le quartier s'arrête ici. Si vous voyez la maison qui est là-bas, c'est le numéro 24. Celui de là-bas, c'est le numéro 25. Au-delà de là-bas, c'est la rivière. Hein? Oui. Hein? Moi? Monsieur, il y a un problème? Alors j'ai été dupé. Hein? Aïe! Moi? Aïe! Merci beaucoup. Soyez les bienvenus. Oui, en quoi puis-je vous aider? Oui, je suis à la recherche de deux boxeurs qui habitent dans cette maison. Boxeurs? Oui. Je suis désolé, j'en connais aucun boxeur qui vit avec moi ici. Il y a des boxeurs dedans. Non, rien de tout ça. Je veux dire Meka et Blo et Coach. Meka et Blo? Et Coach. Et Coach? Des boxeurs? Oui, ce sont mes boxeurs. Pion, je suis désolé de les avoir rejetés parce que je les reconnais comme des bandits du quartier. Êtes-vous sûr de ce oui. que vous dites? Alors, où sont-ils en ce c'est moment? C'est ce que je ne sais pas. Allons-nous-en.
Hey, attends. Attends. Allô? Est-ce que c'est Beijing? De la Chine? Merci. Je vais parler au premier ministre Long Peng. Le premier ministre Long Peng. Merci. Ah! Bodevagam! Gonangin Gongang! Kizangong Kingong! Nigeria! Kingong? Non, comment? Tu viens demain? Kingangong Kingong! Kingangong Gongang! Wang! D'accord! Premier ministre! Kingangong Gongang! Gang! Gang! Gong! Gong! Nyang! Nyang! D'accord, gang gang. D'accord. 4 millions de dollars. Et tigedon. Tigedon. Non. Tigedon. D'accord. Tigedon. Tigedon, gang gang. Yang gang. Oui. Ding gang. Singang. Oui, singang. Gang gang. Et voilà. L'argent tombe de droite, gauche et du centre. Oh. Donne-moi à boire, ma chérie. Je te l'avais dit. Mais ce n'était pas King Campion. Non, c'est là que je l'ai appelé, là, c'est Lopeng. 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 Tu dis à Lopeng que je le salue. Oh, je te l'avais dit. Nous Patron. Sommes multimillionnaires. Patron. Quoi? Je veux manger. Tu veux faire quoi? Tu veux manger. Je veux manger. Mon ami. Mon frère, tu as menti. Tu es un imbécile. Je veux manger. Mon frère. Hey! Mon ami, hey, laisse ça tranquille. Regardez-moi cet homme. Hey! Oh! Toi, tu penses que nous sommes ici pour manger? Regardez-moi cet imbécile. Toi, tu as ton passeport. Et toi, tu as un passeport. C'est bon! On vous fait un visa. Pour Hong Kong. Après, c'est la Russie. Et. Les voilà! Aïe! Silence! Que personne ne bouge! Tout ce que vous direz pourrait être retenu contre vous. Arrêtez-vous! Bougez! Attendez! Bougez! Attendez! Laissez-moi retourner au village. Allons-y. Je vais t'exploser la tête. Je. Allez, avancez. Oh, you can see, can't walk in my leafy neighbor.